Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont abonnés et qui souhaiteraient s'abonner sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche qui est très intéressante pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et également de dérouler la description pour trouver des infos intéressantes. Et si mon contenu vous intéresse et vous plaît, bien évidemment, vous pouvez laisser un j'aime. Je vous en remercie pour votre soutien. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Merci à tous. Recoucou, c'est le petit astronaute. Allez, sortons d'ici, examinons un petit peu la zone sur laquelle nous nous trouvons. Alors, c'est une épave. Attends, il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire avec. On va déblayer ça, parce qu'il y a quelque chose qui brille. Je sais pas du tout ce qu'on va obtenir, sincèrement. Ah, j'ai un petit peu d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, je suis idiot, c'est un panneau solaire, ce truc. Gigantesque, d'accord. Avec ça, on a la possibilité de s'alimenter un peu. Et de se faire tuer. T'as vu la grosse tête que j'ai? Elle a bloqué. Même pas. Ah, j'ai pas d'oxygène, Body, t'es fou. Mais non, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ok, donc on est alimenté là, on s'est arrêté dans cette zone. Bon, vous savez quoi? On va poursuivre un peu quand même. Hein. Donc t'es... D'accord. Ça, personne n'a vu hein, ce que j'ai fait, hein, j'espère. Parce que j'ai pas fait exprès. Hein. C'est pas un peu trop proche ça? Non. On aurait dit que c'était un peu trop proche, mais finalement non, ça va, ça va. Ça va, on a encore assez de matière. Il y a encore un truc là-bas. Ok, on va voir comment ça va se passer. Ce qui est bien, c'est que chaque monde en fait est complètement différent. Et en tout cas, on n'aura pas les mêmes planètes en fait. Chaque fois explorer quoi. Bon, elle est bonne similaire, mais pas forcément à l'identique quoi. Oh, il y a plein de trucs, attends. Par contre, je trouve qu'il y a des ressources qui sont de plus en plus rares en fait. Dans ce genre de zone. Mais un peu d'oxygène encore. Donc le gros panneau solaire aurait pu tout simplement peut-être recharger un véhicule ou je sais pas trop quoi. Je suis sûr qu'il y a des trucs encore qu'on a complètement pas débloqué. Alors là, je vais faire un tour là. Je veux pas être fou. Je vais me mettre un truc ici. Voilà. Donc là, j'ai encore un cube à emmener dans le module de recherche. Pas le choix. Ça va en faire une belle trotte cette fois-ci, je vous assure. Allez, on y va. Suis-moi, toi. Et après, on ira dans les grottes. Et là, je rigole si on arrive à trouver un avion. Oh, comment ça doit être un kiff, ça. Imagine un avion. Il faut un petit peu, je dirais, comme ressource, hein, de l'aluminium, du titane, des trucs comme ça. Je sais pas, on verra bien. Par contre, la base sur laquelle je me trouve, elle est hyper loin d'ici, quoi. Je sais pas si on peut courir. Oh, on peut courir quand même. Hein. Allez, mettons un peu le turbo. Donc l'énergie solaire, on l'a trouvée. Ah ouais, la base, elle est super loin. Je crois que c'est la destination la plus éloignée cette fois-ci, là où on se trouve. Écoute, ça nous permettra peut-être de découvrir des choses intéressantes. Hein. Ok, passons par là. J'ai suffisamment après pour faire les grottes. Ouais, je pense un tout petit peu, mais pas tellement non plus. Il faudra qu'on trouve du composite. Il y a des gros blocs là un peu partout. Oh merde, je me suis fait un peu bloquer. Allez, avance Body. Je crois que c'est la destination la plus éloignée. Hein. Waouh, comment c'est loin. Imagine, on arrive à faire le tour de la planète. Ça peut être justement intéressant de voir en fait la carte. Est-ce qu'elle est vraiment immense ou est-ce que elle est vraiment petite en fait? Alors, on court un peu plus vite. Je préfère pas m'éloigner des câbles. Hein, parce que je sais pas s'il y a des cratères, des trucs comme ça. Ah tiens, à propos de cratères. Faut faire gaffe. Hep, 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 calme-toi, toi. Et là, imagine, il me sort fusée spectaculaire. Oh là là, comment je kifferais avoir en fait un truc aérien. Je sais pas si tout ça c'est possible. Hein.
écoute, on va essayer de prendre un raccourci, on n'a pas besoin d'aller jusque là-bas. Par contre, mémorise bien où t'apparaît, veut dire. T'apparaît devant le truc de recherche, plutôt derrière. Non, devant. Pose-le. Et sérieux, lui? Eh, tu me trolles? Tu mens, tu mens, tu mens! C'est bon. Donne-moi un gros cadeau, s'il te plaît. Et là, il me sort deux blocs d'aluminium, t'es comme un fou. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Du composite? Salopard! Tu t'es foutu de ma gueule! Tu m'as donné du composite! On va se prendre beaucoup de vent en fait. C'est pas possible, on va se prendre beaucoup de vent. S'il faudrait vraiment qu'on aplatisse le terrain, il est dangereux. Bon, allez, le petit astronaute, il a tendance à courir un peu plus vite. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Arrête de te bloquer. Par contre, ça c'est chiant les trucs comme ça, tu peux vite te bloquer. Allez, sois fou. Là, il y a quoi? Il n'y a pas de grotte? Non, il n'y a pas de grotte. Pourquoi j'ai pris le bloc avec moi? Parce que si j'ai besoin de prendre encore un peu plus d'oxygène, ça me permettra de pouvoir l'alimenter. Parce que j'ai remarqué qu'on n'a pas trouvé de ressources justement à côté après. Mais j'ai peut-être pas exploité encore tout. Ah ouais, je suis trop con. J'aurais dû prendre les ressources qui étaient avec l'avion. Vous savez très bien que dans les avions, en fait, il y a toujours des ressources. Oh, l'idiot. Sérieux, l'idiot, 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 l'idiot. T'es trop con. T'es trop con. Non, je m'inquiète pas parce que je me dis c'est des trucs qu'on va trouver. Mais bon. Alors, sur le côté là-bas, est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourra récupérer? Le côté gauche, il m'intéresserait bien après. Pour l'instant, on pique sur le côté droit. Ça, heureusement qu'il court vite quand même l'astronaute, hein, parce qu'il y a des jours où des fois, tu sens tout de suite que tu galères. Après, moi, j'ai peur justement des plantes. Parce que des plantes, elles vont vraiment nous faire des dégâts assez impressionnants. Ils sont cool parce qu'ils ont mis de l'oxygène un peu partout. Allez, body. Essaye de déblayer après la navette. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça se voit ici tout de suite qu'il y a quelques trucs à récupérer. Attends. Eux. Tu vois, tous les matériaux. Voilà, j'ai l'aluminium pour faire le rover. Bon, je suis trop con, hein. J'aurais pu sincèrement aller à la base avec. J'ai pas pensé forcément. On oublie tout tout de suite comme ça, mais bon. Écoutez, l'essentiel c'est qu'on se rend compte. Ah, je peux pas les ramasser. Ah, les ordures. Parce que tout simplement, je suis pas encore en dessous. Titane. Aluminium. Aluminium. Organique. Et le fauteuil avec moi. Non, en fait, finalement, ça tombe bien. Parce que j'aurais même pas pu me dégager de ça. Attends, faut que je saute avec ce truc. Putain, qu'est-ce que tu me fais? Eh, mais sérieux, le truc, des fois, il déconne complètement. Allez, relis-toi vite fait. Là, tu me suis. Allez, on repart. Donc là, ça veut dire que j'ai un deuxième... véhicule prêt à être fonctionnel. Les deux blocs d'aluminium sont derrière moi. D'accord. Le rover, il n'a pas fait long feu, mais alors j'espère que le camion va être vraiment plus utile. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai bien fait en fait finalement de faire ça. On aurait pu faire tout de suite le véhicule et revenir. De toute façon, je vais refaire le véhicule, je vais revenir ici. J'espère vraiment qu'il y a des réservoirs dans le véhicule, c'est-à-dire des armoires de stockage, parce que le camion, normalement, t'es censé ramener des ressources, quoi. On verra bien. Hein. Allez, on court un peu. La base, elle est vraiment en visuel. C'est déjà un bon point positif. Ça veut dire, en fait, les véhicules, à chaque fois que tu en veux un, faut que tu trouves impérativement ce genre de pièce. La cabine, en fait, du chauffeur, quoi. Sinon, c'est pas possible, en fait. Eux, ils te créent partiellement le véhicule. Bon, tu me diras, c'est plus réaliste aussi, hein. J'aurais même pu ramasser encore quelques ressources, body, au passage. Donc là, on a un petit peu du titane, de l'aluminium. Les trucs organiques, on s'en fiche un peu. Regarde comment il court comme un bourré. N'importe hein. Quoi, lui. Hein. Allez, dépêche-toi, cours plus vite, cours plus vite, cours plus vite.
N'abandonne rien, ne lâche rien. Après, je sais pas combien de véhicules par contre dans le jeu. Personnellement, j'ai vraiment envie de les découvrir aussi avec vous que tout simplement de me spolier avec des commentaires peut-être qui vont tout simplement dévoiler. Ouais, il y a ça comme véhicule, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. T'inquiète pas, on découvrira au moment venu. Déjà, après, on va faire la navette. Hein. Juste après le véhicule, on aura la possibilité de faire la navette. Attention, Body aussi, parce qu'il faut que tu fasses un truc intéressant. Vous allez me dire quoi? Le truc solaire là pour le faire marcher. Écoute, posons ici le truc. C'est parti, moment de vérité, vous êtes prêts? Let's go! Création du camion. Tu vois? Hop! Le petit camion, il est là. Petit, c'est vite dit, hein. Pas d'énergie, ça c'est sûr. Bon. Maintenant, il faudra qu'on crée l'énergie. Ça demande quoi? De l'aluminium. Ah ouais, d'accord. Le solaire. Bah parfait, tu vois, ça va être génial. Allez, branche-moi ça dans le véhicule. Ah, c'est pas évident dès que c'est collé comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il faut dégager avant le véhicule, avant de l'utiliser. Attends. On va le dégager rapidement. Tab. Fait, il n'a pas du tout de... Attends. Faut que je descende du truc. Attends, parce que j'essaie encore de bloquer les fesses quelque part. Il a une meilleure portée. On va pas se mentir. D'énergie plutôt. Une meilleure portée, c'est-à-dire il a plus d'énergie. Est-ce que, attends, comment ça fonctionne? Mais range-moi ton arme, Body, ça sert à rien, ça. Alors, mets-lui les trucs. Ah, ok, ça se fout là. Ok, ça veut dire que je suis sûr qu'il y aura des armoires quelque part. Ok, je viens de comprendre un truc. Ça veut dire, en fait, je pourrais stocker que quelques trucs. Bah, écoute. Prenons le véhicule et j'espère que ça va donc pas nous poser un problème. Attends. Je suis où moi maintenant? Je me suis vite perturbé là. Bonne direction ou pas, à votre avis? Moi j'ai qu'elle est pas bonne la direction. Oh la merde, sérieux, je sais même plus où j'y vais. De toute façon, on s'en fout, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut partir où on veut. Ouais, pour moi, c'est vraiment assez là. Il y avait un gros cratère à un moment donné, Body. Alors je vais suivre quand même le câble. Hein. Je vais aller quand même doucement. Je dis ça, mais bon, je suis quand même le mec qui... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, sérieux? Mais dégage! Qu'est-ce que tu fous? Il est où le véhicule? Tempête, elle fait mal. Hein. T'imagines, je tombe tout en dessous dans une grotte bizarre et tout. Ça va, je suis alimenté, c'est déjà un bon point positif parce que franchement, sinon, c'est la merde. Où est la tempête? Je la vois pas tant que ça. Vous la voyez, vous? Ah, elle commence l'arrivée là. On va patienter un peu parce que sinon, on va se faire avoir. C'est quoi si je creuse un peu? Voilà. On va laisser ça comme ça. Voilà, merci. Ouais, tu peux pas te permettre de tomber, quoi. Attends, parce que là, je vais bien... Ah, merde! Ah, les véhicules, tu les perds trop vite, quoi, merde.
Après, tu passes ta vie à aplatir le terrain, quoi. Attends. Donc, lui, il est là. Voilà, ça y est. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut que je me dégage l'énergie ici. Ah, la nuit, elle est chiante. Hein. Tu vois pas grand-chose, hein. On va finir par réussir. Vas-y, c'est mon plus beau camion. Mais ils sont pas sérieux, j'ai galéré. L'aluminium, c'est dur. On va finir par sortir, vous allez voir. Maintenant, il faut que le petit astronaute arrive à sortir. D'accord. Bon, bah, le mec, s'il a envie de le péter comme ça, hein. Je veux que je fasse, moi, après. Il est fou, lui. Hein. Il va casser complètement le truc. Ah, là, le chemin, il est vraiment bien... bien propre pour sortir le véhicule. Oh là là, calme-toi. Eh, on a galéré quand même. Hein. Tu vois, je te dis, cette plante-là, il y a quelque chose à faire avec. C'est bon, on est dans la bonne direction finalement, c'est cool. Oh non, je déteste ces arbres, ils sont maudits, je te jure, ils sont maudits ces arbres. Je déteste, eh, franchement, leur truc là. Attends, tombe pas dans les trous surtout. Là, c'est pas trop stable comme surface, quoi. C'est ça qui est un peu délicat. Cratère, attends, regarde bien, je suis sûr qu'il y a un gros trou. Voilà, donc je vais commencer à baliser jusqu'ici. Attends, je vais pas faire le con. Au cas où j'ai besoin de revenir tout à l'heure à pied. Composite, ah bah bien sûr, on va pas se gêner. Hein. Oh bah là c'est la zone du composite, c'est ça qui est bien. Sortons du véhicule. Attends, faisons comme s'il n'y avait pas de composite ici. Voilà, mon truc il est là. Attends, faisons... les extensions de l'ordre. Attends. Voilà, tu vois, c'est ça qui est justement bien. C'est qu'ici, même si je viens plus tard sans le véhicule, je pourrais en fait me permettre d'avoir un meilleur truc, quoi. Encore un peu. Donc là, il n'y a plus le truc. Hein. Allez, c'est parti. Donc, il y a quelque chose à... C'est quoi, de la résine, ça? Ouais, de la résine. Ouais, j'en prends quand même deux, on sait jamais. Et là, je vais prendre un peu de tout ça. Voilà, ramasse un peu tous les gisements. Merde, il y en a beaucoup, là. Ok, l'avantage qu'on va avoir, je vous le cache pas, c'est maintenant qu'on est ici... Je vais essayer de fabriquer l'énergie solaire, c'est pas... Ouais, si, tu peux mettre deux bodies quand même. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai viré un truc comme un idiot. Voilà, on va baliser encore un peu plus. Parce que après, j'irai dans les profondeurs justement de la grotte. Merci. Alors, je devais ramasser ces blocs. Ah, je peux même plus. Attends, je peux plus. L'avantage qui est bien avec le véhicule, c'est que j'aurais peut-être la possibilité de les mettre ici. Voilà, tu vois. C'est le composite, moi, qui m'intéresse plus que la résine, tout ça. Il y en a même un autre qui est tombé dans le trou. Voilà, c'est ça, en fait. Il est là. Laisse-les là pour l'instant, en évidence. Et balisons encore le terrain un peu. Je sais pas si le véhicule après il est beaucoup... attends, oh là, je comprends plus rien. Le véhicule faut pas qu'il me gêne dans mon installation. Alors j'avais aperçu où la grotte, un peu plus au fond. Voilà. Ah, elle a l'air profonde, hein. Laisse tomber. Hein. Alors, j'ai pas le choix que de déblayer.
ça va être vraiment des contenus poubelles, mais on va voir. Tu vois, c'est hyper tendu finalement là. L'énergie, merci. Enfin, faut que je fasse un truc bien propre. Hein. Ça va pas être évident de faire ça, mais essayons quand même. L'énergie commence à disparaître, non, ça va. Parce que mon objectif, c'est de trouver vraiment un moyen pour faire comme un petit pont, tu vois. Bah, ça va, le jour commence à se lever, ça va être intéressant. Nickel. Ok. Est-ce qu'après c'est profond ou pas? Bah, quand même un peu. Hein. Attends. Peut-être que si je continue comme ça, on va finir par toucher le bout. On s'en rapproche. On s'en rapproche un peu, c'est ça qui est bien. J'essaie de bien aplatir le terrain. Ah, parce que pour l'instant, il sera vraiment assez gros. Ah, je manque d'oxygène. Merde. Allez, construis encore les réservoirs ici. Donc, le véhicule, je le prendrai après. Hein. Je m'assure vraiment bien d'avoir tout bien aligné là. Ok, je vais faire un truc tout bête. Hein. Vous allez poser la question, mais tu vas faire quoi? Je vais me débarrasser rapidement de tout ce que j'ai sur moi là. Comme ça, ça va être plutôt intéressant après pour nous. Le véhicule, on peut le laisser là, on n'a pas besoin de lui. Hein. Je vais me débarrasser d'abord tous les trucs les plus utiles. Ça, c'est quoi ça? Du titane sur le véhicule. Des rallonges, c'est quoi ça? Des trucs organiques, ça? Ouais, ça, je m'en fous un peu. Ça se trouve en abondance un peu partout. Je m'en mets une au cas où. Là, je le fous là. Je le fous là. Ok, donc là les autres vont se libérer, pas de panique. On descend maintenant dans les profondeurs. Donc là je suis à fond un peu partout. Tu vois, je préfère justement me baliser ce genre de terrain que de faire le mec qui va aller avec plein d'assurance et qui va tout simplement le regretter après. Alors je sais pas ce qui va nous attendre. Allez. Tout est relié avec ce câble là. C'est bien éclairé. Putain, il est profond ce truc. Hein. Waouh. Là, il y aura quoi? J'ai pas suffisamment de trucs, hein, de câbles. Hein. Ça va être tendu quand même. Hein. Encore un petit effort. C'est quoi le truc vert là? Ah mais ça descend jusqu'à où toi? Ils sont sérieux, je vais finir par manquer de trucs. Ah non mais j'ai pas le choix que de remonter encore. Hein. Oh là là, je dois en faire plein de câbles. Hein. On descend trop profondément là, mes yeux là. Non, ils sont pas sérieux. Il m'en reste deux. Allez, on va pas faire les fous. Je sais comment on va procéder. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, voilà, on va passer comme ça. Ah non, là, je veux pas faire le fou, en fait, justement. J'essaie de tirer les câbles jusqu'à l'extrême, jusqu'en bas, là. Peut-être qu'on va trouver la ressource la plus rare du jeu, peut-être l'or ou j'en sais rien, qui va nous aider. Voilà, ça tombe bien, justement, qu'on a creusé un peu ce tunnel. Attends, on va pas faire le con, on va sortir encore le pistolet. Non.
Voilà, encore un peu, ça m'évitera de tomber. Là, j'ai pris le truc. Parce que je vais essayer de faire... encore un peu de réservoir, attends. Donc là, on est branché. Justement, j'avais besoin de ça. Composite. Alors, body, utilise tout le composite maintenant. Plus il y en a, plus je vais être heureux. Il m'en faut moins 4. Hein. 4 ou même 5. Bon, bah là c'est vraiment la bonne zone pour en avoir. Attends, parce que là, on est vraiment à court d'énergie. Ah, je te jure, j'ai la poisse. Avec l'énergie, c'est vraiment la poisse. Hein. Dès qu'il fait nuit, on morfle un peu quand même. Hein. Cool. Voilà, j'en ai lâché un derrière, c'est pas grave. Tu me diras que tu peux lâcher autre chose, body, à la place. Attends, on va se débarrasser de ça. C'est beaucoup moins important. C'est deux rallonges. Hein. C'est que dalle, en fait. Ah, c'est de l'organique ça. Mais je m'en fous de l'organique, dégage. Bon, les deux rallonges, finalement, je vais les reprendre. Et après, j'en ferai d'autres après. Tu sais, je vais être vraiment très minutieux dans le travail que je vais faire dans la mine. Ils vont dire, mais Bodhi, il fait quoi? Il fait l'exploration, en fait, il creuse tout ou quoi? Bah écoute, si on veut découvrir des gros secrets, hein, avant d'aller sur d'autres planètes, faut déjà comprendre la planète entière, comment elle est faite. Si on comprend que 5% et on veut tout de suite partir dans les autres planètes, ça va pas être forcément intéressant. Ok. Oh lolo, c'est comme ça que tu fais des... Oh lolo. Calme-toi l'astronaute. Il pète des plombs ou ça lui arrive souvent comme ça? Il est sérieux l'astronaute? Alors maintenant, le moment de vérité. Allez, crée-moi ça. Également. Oh, les rallonges. Je crois que c'est la plus grosse rallonge dans le jeu, quoi, celle-là. Je crois qu'on n'aura jamais fait autant de rallonges, finalement. Et on peut faire quoi d'autre avec? Des filtres. Regardons un peu, hein. Une petite balise si on veut, ouais. Pour dire qu'on habite là, on verra. Pour l'instant, je laisse les deux trucs ici. Solaire, allez. On sait jamais, ça peut toujours servir un peu de solaire. Allez, encore une autre allonge. Et là, ils vont dire, mais arrête-toi! Non, ça m'arrête pas. Bon, plus sérieusement, là, je suis vraiment devenu... Tu joues avec moi, franchement, en multi, tu rigolerais. Hein. Je ferais que des installations comme ça, tout le long. Qu'est-ce que c'est que ça, on aurait dit? Ah, j'ai cru que c'était un monument. Un tout petit animal. Attends, oh lolo, c'est quoi ça là? Bon, il y a un pistolet ou quoi? Des fois, j'ai peur de me diriger parce que je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une table de quoi? Oh, l'aluminium. Ah, c'est un mec qui a abandonné ça. C'est quoi, de la dynamite? Oxygène, ouais, ça je m'en fous. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Titane, batterie. Enfin, si je sais bien lire, dynamite. Ouais, c'est bien ça, ouais. On va la prendre quand même pour nous. Ah, donc on pourra même faire de la dynamite. Je le laisse comme il est pour l'instant. Je le prendrai après le module. On a quoi là? Le solaire. Attends, on laisse comme ça pour l'instant, d'accord? Ok, donc la dynamite, un body. Embarque là avec moi. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on remonte. Hein. Merde, je l'ai fait un peu trop court celui-là. Ok, donc je savais pas qu'il y avait de la dynamite qui était possible également. Eh, mais je vais descendre jusqu'à où comme ça, je crois là. Je couffe un fond de je sais pas où. Ok, on dirait comme un sarcophage un peu plus loin.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quelque chose d'inconnu en fait. Bon bah, tu viens avec moi. Hein. C'était juste ça? C'est juste une petite farce ou comment ça se passe avec eux là? Ça se met sur le véhicule, ouais, je pense. Je suis même pas sûr qu'on peut le mettre sur le véhicule. Par contre, je vais pas me gêner, hein. Je vais faire un truc. Attendez. Je vais prendre le truc ici. Le truc qui va pas me servir à grand chose pour l'instant, c'est le solaire. Sincèrement, je vais l'abandonner. Parce que je vais prendre autre chose à la place. C'est quoi le titane? Rare. L'aluminium, mais bien sûr, faut pas être fou. Attends. Ouais. Tu t'en vas. L'aluminium, tu remplaces. Là, on a quoi d'un côté? La batterie. Et ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, tu le connais, ça. Le réservoir. Et là, c'est un truc. Écoute. De toute façon, je m'en fous, j'ai le véhicule, je vais descendre deux fois. On va s'embêter. On va descendre deux fois. Allez, montons un peu là-haut. Ah, la grotte, elle continue encore. Attention, elle continue. On n'a pas fini de l'explorer. Hein. Après, descendre ici avec le rover, je préfère pas parce que je sais pas en fait si on tombe après dans un cratère ou quoi que ce soit, tu vois, je préfère éviter. À pied, ça me dérange pas, tu sais, c'est pas un problème. En tout cas, on aura bien balisé les zones. Donc en fait, tu découvres une dynamite carrément. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire péter un peu plus loin. J'espère que ce truc-là, il se met sur le véhicule. Ah, si c'est ça, franchement, c'est un kiff. Sinon, ça va être vraiment la merde pour aller jusqu'à la base avec. Hein. Tiens, même un autre truc en bas encore. Allez, stop le dimanche, que ça s'emboîte sur le véhicule. Normalement, c'est ça, c'est un camion. Allez, vas-y. Ça s'emboîte. C'est trop génial. C'est trop génial. Composite, machin. Ok, bon bah... Vous en dites quoi? Ça s'emboîte bien. Le titane, il est là. Ça, la résine, j'en ai pas l'utilité. Je vais vraiment garder les ressources les plus rares. Là, c'est quoi encore? Ça, c'est du machin. Alors, on va faire un truc tout bête. On va déposer la dynamite ici. Le titane de l'autre côté. Et je crois que c'est fini, en fait. Hein. Je regarde vite fait. Non, il n'y a plus de place. Tu vois, le camion, il est vraiment limité. Hein, tant qu'on n'a pas trouvé, à mon avis, la boîte de rangement. En fait, comme des cons. Ok. Pour l'instant, on est très limité. Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir ici. Là, je vais juste checker un peu. Un dernier truc. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'énergie. Ok. C'est de l'énergie. Un dernier truc qu'on va faire, les amis. Mais arrière, comme il adore glisser, regarde-le. Je suis sûr que je vais finir par mourir comme un idiot. C'est quoi l'astronaute volant ou quoi? Comment ça se passe chez lui? La descente en fait, elle est super rapide. Hé, hey, calme-toi. Putain, il va mourir, il va se crasher. C'est bon. Ah, je te jure. Tu vois? Je vais juste tester un truc. Pour moi, ça remonte à la surface. Hein. J'ai suffisamment d'énergie, donc ça va. Ouais, ça remonte à la surface, il y a des plantes ici. Quoique, c'est pas si... C'est pas comme tu dis, Bozy, attends. On va remettre des rallonges, hein, pas le choix. Oxygène 50. Allez, on s'en fout, on est là aussi pour mettre les trucs. L'oxygène, le truc machin, solaire. Bon, écoutez, on se retrouve tranquillement pour la suite dans un prochain épisode, ok?
Donc on va encore explorer un peu la grotte et j'ai remarqué qu'il y a des trucs là-haut qui peuvent être très intéressants. Donc je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous à tous.